Victoire numéro 3. Jules, ce soir nous avons une équipe basque qui vient jouer contre Royan, comme tous les samedis en été. Donc ce soir, un match officiel à 21h, et puis tous les jeunes qui s'entraînent là en ce moment vont jouer ce soir entre eux en levée de rideau à partir de 19h. Nous avons souvent des professionnels en exercice ou d'anciens professionnels ou des espoirs qui font partie des équipes de France, de Sesta Punta ou de Grand-Gand qui viennent jouer régulièrement. Jouer avec le gant en osier, c'est loin d'être évident. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est la réception qui est la plus difficile. Le lancer est beaucoup plus simple. Donc beaucoup de patience, du placement, anticiper énormément le placement. C'est un sport qui va très très vite, le sport de balle le plus rapide au monde, puisque la pelote peut aller jusqu'à 300 km/h. Donc il faut qu'ils anticipent tous leurs déplacements pour être parfaitement à l'endroit où la pelote va retomber.